Cette émission est diffusée en semi-exclusivité sur Gear Network. En effet, chaque épisode sera diffusé 48 heures à l'avance sur la plateforme. Salut à tous, c'est TK et Arcanius. Pour l'épisode 5 de Culanta. Exactly, sir. Et nous sommes encore en compagnie de Kamikaze. Bonjour, Kamikaze. Bonjour, TK, bonjour, Arcanius. Salut. Et donc, nous allons commencer par faire une petite introduction sur cet épisode et sur cette saison jusqu'à présent de Culanta. Donc, TK, je te laisse commencer. Donc oui, on tenait à dire que on a eu déjà pour mettre les choses en place, on a eu 2-3 commentaires comme quoi le dernier épisode était brouillon. On s'en excuse, hein. C'est que comprenez qu'une saison, une série de cette envergure, c'est difficile à organiser. Il y a beaucoup de monde en un laps de temps pardon assez court, donc il y a 2-3 problèmes d'organisation. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une mauvaise qualité de la vidéo, de peu de survie, etc. Mais bon, vous savez, c'était un peu difficile à gérer. Tout à fait. Et on tient aussi à vous dire que dans Cublanta, il n'y a pas une épreuve de survie pour une épreuve d'immunité. Une épreuve de survie, n'importe quoi, une épreuve de confort pour une épreuve d'immunité, et bien tout simplement parce que déjà au bout d'un moment les épreuves de confort deviennent vraiment trop facultatives, hein, elles n'apportent vraiment pas grand chose à l'aventure, et puis ça prend beaucoup de temps à mettre en place, et les candidats sont éliminés moins vite. On peut pas se permettre de faire un épisode qui contient à la fois du confort, à la fois de la survie et à la fois une épreuve d'immunité, tout simplement parce que ça ferait des épisodes d'une heure, et déjà on peut pas faire ça, on peut pas tenir les candidats trop de temps, voilà. Et puis ce serait trop long à regarder une heure, voilà. Sachant que c'est pareil pour la survie, on peut pas mettre de la survie dans tous les épisodes. Il y en a dans certains épisodes, dans d'autres il y en a pas, dans d'autres c'est que des épreuves d'immunité, etc. C'est pour faire avancer la saison au fur et à mesure, en essayant de pas avoir des épisodes trop longs. On essaye au maximum entre 30 et 20 minutes, voilà. Tout à fait. Donc, assez de blabla, on va tout de suite demander à Kamikaze de me faire une petite introduction de cet épisode, hein, donc ce qui ira au sujet à cet épisode, et un petit topo de ce qui s'est passé la dernière fois. Allez, c'est à toi, Kamikaze. Ok. Donc, après l'élimination de Sword 26 suite à la défaite des jaunes à l'épreuve d'immunité, les deux équipes se retrouvent au même nombre de candidats. Et aujourd'hui, nos deux équipes vont s'affronter dans une nouvelle épreuve de confort, suivie d'un bon moment de survie. Il n'y aura donc pas d'élimination dans cet épisode. Va-t-il y avoir des morts? Qui va gagner l'épreuve de confort? La réponse, tout de suite. Bon épisode. Allez, bon épisode. Ciao. Pour cette épreuve, les candidats doivent s'armer d'un arc et de flèches. Au top, ils devront tirer sur les minecarts en respectant l'ordre donné. La première équipe qui détruira l'ensemble des minecarts remportera un demi-stack de fer. Ok, je laisse. Mais c'est déjà celle-là? Oui. User was moved to your channel. Vous avez changé donc, alors. Vous allez être épais, on n'a pas pu à cause du truc là mettre la... L'épreuve de confort, mais on va vous l'expliquer rapidement. Ok, ça pose pas de problème à personne. Non, c'est bon. Non, vas-y. Voilà, donc je vais vous téléporter, je vais juste vous demander. Attendez, on n'a pas mis nos affaires. Pardon, mais de toute façon, là, ça a peu d'importance puisque c'est une épreuve. Il y a Rico sur notre île en fait, parce que vous l'avez pas retiré de l'équipe rouge à chaque fois que vous le TP. Ouais, bah regarde. TP avec nous. Est-ce que je TP ce soir? Et jamais début, j'ai le vague parce qu'il a les mots. Ouais, s'il te plaît. Je remets toutes mes affaires. Ok. Et il a les mots et un autre feu. Heureusement que j'ai mis des bûches. Bah, c'était ouais, là, le nôtre aussi, pas... ça se trouve. Nous, on n'y est pas retourné depuis. Voilà, bon, c'est pas grave, et... tiens, je m'en fous. Ok, on le rallume, aucun problème. Avec ça, je veux dire, bon, voilà quoi. Ok, donc j'ai où été porté. Tu peux réactiver tous les trucs, s'il te plaît, Titaï. Ouais. Ce que je veux dire. Nous, on a la nourriture. Restez dans l'enclos, s'il te plaît, bougez pas trop. C'est un enclos, journée des animaux, tu Arcagne, c'est là. Oui, Spinez a la tendance de courir. Ah, cool, je suis même pas dedans. Oh putain, qu'est-ce qu'on doit faire là? Faut casser la tirer sur les autres. Bah là, vous faites rien pour l'instant. Il y en a que deux qui jouent? Non, vous avez tous joué en fait. Vous avez tous joué. D'accord. Il me tire dessus. Donc vous tirez pas tout de suite sous les minecarts, s'il vous plaît. Alors, c'est qui a été éliminé? C'est. Ah, d'accord, c'est l'autre, c'est Sword. Non, c'est moi. Non, c'est Sword. J'aurais dû participer à l'épreuve, quel con, putain. Ils t'ont éliminé pour ça? Non, putain. Moi, mais je suis sûr que pour ça, quoi. On ne dira rien, Skinez. Non, je suis désolé, mon petit Swordounet. Hein. je l'ai dit, tu sais quoi, si j'aurais pu voter pour moi, mec, je vais tourner à droite. Facteur de life. Forme, de toute façon. Voilà, donc qu'est-ce qu'on disait? On prend un arc. Donc, vous allez devoir, vous prenez un arc, vous allez devoir tirer contre les sur les contre les adversaires. Donc vous voyez, les minecarts ont un ordre, il y a des panneaux. Donc j'espère que vous voyez bien.
Alors ici, il y a le 1. Là, regardez, là où je suis, là, il y a le 1. Le, là-haut, le 2. Le 3 en bas. Il est où le 2 ? Le 4 ici. Au-dessus du 1. Vas-y, regardez bien. 1, c'est en bas à gauche. 2, c'est en haut à gauche. 3, c'est en bas. Le 4, et en haut, c'est 5. Ok, donc, donc il faudra les dégommer en ordre et la première équipe qui a réussi à les dégommer le plus vite possible a gagné. Ok. Et donc ils gagneront. Mais... chacun son tour. Non, vous dégommez dégommez le. En tirant en deux équipes qui va gagner. Ouais, c'est tous en même temps, Titan, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Voilà. Donc l'équipe. On a le droit d'aller jusqu'où en fait. Vous restez dans l'enclos. Dans l'enclos. Pas sur les bords, vous restez dans l'enclos, vous tirez. On peut pas se mettre là pour tirer. On se gêne pas. Et donc l'équipe qui gagnera un demi stack de fer. Voilà. D'accord. Nice. Donc là, on va pas switcher dans les chenaux parce que ça sert un peu à rien là. Ok. Allez, Thomas, t'es prêt? Allez, les gars. On est chaud. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Yep. Oui. Donc vous écoutez au go donc 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc c'est bon. Déjà l'équipe jaune avance ainsi que l'équipe rouge. Ça va très vite. Hein. Voilà. Vite. Le 3 il est où? Il est en bas. Mais il est en bas, ouais. Pourquoi le 1 il est toujours en. Yes. Ça se pète quand on tape ça avec les flèches. En bas, là-bas, le 4, le 4. Yes, c'est bon, on a fini. Voilà. Les jaunes ont gagné. Les jaunes ont gagné, bravo les jaunes. Ouais, attends, on a été à fond les ballons nous aussi. Nous sommes des snipers, vous n'êtes rien. Attends, franchement, t'as vu comment on a été bon. Hein. Ah non, mais ça s'est joué à un minecart. Un minecart, on a été trop vite. Plus rapide. Donc, les jaunes, donnez votre récompense. Voici votre demi-stack de fer. Moi, je vais voir la vidéo, là, il y a de la triche. Nous sommes des professionnels, je répète. Bah, et donc, vous allez téléporter sur votre île. Gâchez pas vos flèches, gardez-les. Pardon, je change ça. Ok. Donc c'est le moment de raconter notre life. Vous pouvez raconter votre life. Vas-y, Vibe. Là, on essaye de récupérer un peu de récolte pour survivre. Enfin, un peu de ressources pour survivre cette nuit qui s'annonce très très dure. Moi, j'ai miné un peu. Ouais, et bah moi, je suis encore une fois en train de pêcher. Et puis ben on a établi nos stratégies, on sait d'ores et déjà qui éliminait la réunification. Et puis ouais, on compte bien ne pas se faire éliminer, en tout cas on compte bien rester tous les trois jusqu'au bout hein, de toute façon. C'est les trois mousquetaires qui restent. Les trois tigres. Non mais Finesse non ça va pas être possible quoi. Tant May, on l'aime bien, mais Skinez, non. Ok. Bon, désolé pour l'aspect décor ici, Vibe. Hein. Non, mais j'ai trop. Sur cette grotte, sur cette montagne-là, faut descendre un peu plus bas pour tomber sur la pierre. Oh, ok. Voilà. Donc, le soleil se couche. On s'est bien organisé pour la suite. On vous dit à demain. Nouvelle épreuve déverrouillée, je vais voir sur le site, je vous dis ça. Ouais. Alors, à l'aveuglette, immunité, il s'agit d'une épreuve de coopération. Vous comprendrez tout de suite en voyant l'épreuve. C'est une connerie genre tout dans le Void Fog ou un truc comme ça? Non. Maï? Oui, Maï? Il fait jour dehors? Non. Ok, bah attendez, ma petite soeur elle vient de se réveiller, je monte juste dans ma chambre. Ok. Hop. Je suis en train de miner, bon bah je prends quand même de la cobble, hein, ça sert toujours. Yep. J'ai débouché sur une autre galerie. Apparemment on va commencer l'épreuve. Non, c'était pour de la téléportation. On pisse là en la gagnant. Là on a un problème, on a des creepers qui commencent à spawn dans notre... Attends, les alentours de notre campement. Par contre, là, j'ai pas d'armes. J'arrive, je rapporte tout ce que j'ai. Je joue à la charge pour l'instant.
J'arrive, au pire, on va se faire des épées en diamant, on va tous en faire une. Ouais, j'ai réussi à le faire péter à l'eau. Bah, en fait, là, le plus gros problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de... Faudra faire un coffre où on met que la cobble dedans, parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup, moi. De toute façon, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de refaire les murs, etc. Une fois que ce sera fait, je vais faire un rangement propre. Ah, pleut. Est-ce qu'il pleut sur le feu, là? Non, non, j'ai préparé le truc. Ah, par contre, si vous l'avez foutu là... Ah non, c'est bon, c'est pile... Par souci, au cas où, on n'est jamais trop prudent. Oui, éventuellement avec du bois. Même ici... Voilà, comme ça, on est tranquille. Le feu... Ah, je vais le réalimenter un petit coup. Alors, attends, je vais prendre tout ce qui est minerai. Je vais faire un coffre spécial minerai, au pire. Relais, mec. Ouais. Là, vous m'entendez non, mais... mieux. Laisse les minerais, t'inquiète, ça, je m'en occupe. J'ai déjà tout dans les sacs, là, pour faire. Oups, j'ai placé un truc de... T'as un coffre sur toi? Non, pas de coffre. Laisse-moi juste faire le toit, et après, je m'en occupe, t'inquiète. Bah, au pire, attends, je vais le faire, parce que... En fait, j'ai genre minage, 200 voire 300 de bois dans les sacs, tu vois. Ah ouais, d'accord. Non, mais bois, on est blindé là. Hop, 16. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, 1, 2. Je claque, et voilà. Il, finalement, t'as eu combien de diamants? J'en ai 7. Et j'en ai 17 avec tout ce qu'on avait déjà dans le coffre. Ouais, c'est bien ça, on pourra faire des épées ou... Hop, je fais chauffer l'or que j'ai. En fait, finalement, dans notre camp, on n'est pas tellement attaqué. Enfin, ça va. Bah, ça va, là, le camp, il est... Là, il y a un creeper qui a spawn contre dans l'eau, avant. Ouais, mais oui, mais l'eau, faudrait protéger, parce qu'on sait jamais. Hop. Bon, moi, il va falloir que je bouffe. Sinon je vais farmer le gravier. Ok. Ok, vas-y, vas-y. Ah, il n'y a plus de torches dans notre maison. Ah, j'en ai 63, si tu veux. Mais normalement, t'as pas du charbon. Je vais utiliser les pelles pour aller plus vite avec le gravier. Merde, j'ai jeté un minecart. Quelqu'un peut juste péter le bloc là, en fait, parce qu'il sert à rien du tout. Lequel? C'est du cobble. Là. Merde, je trouve pas un diamant, quoi. Oh, diamant. J'ai. Oh punaise, j'avais qu'à demander. Oh, vas-y, j'ai pas de pioche en fer. Elle s'est pété. Alors. Bah, remonte au pire, j'en ai sur moi. Ok. Au pire, je te l'ai. Ah, y'a un creeper juste derrière ce truc là. Je vais utiliser les arcs. Ouais, on va utiliser ça. Aïe. Je note la galerie pour. Hop, je vais bouffer du melon pour mettre ma faim, on sait jamais. Comment ça s'appelle? C'est débloqué? Ouais, voilà, c'est débloqué, donc vous pouvez aller voir l'épreuve. À l'aveuglette, ok. À l'aveuglette. Après, il y aura un questionnaire, donc, oula. Une course. Questionnaire sur quoi? J'ai récupéré. Mais c'est quand la réunification? Je la vois plus sur la liste. Tu verras, c'est quand il y aura plus que 4 participants. D'accord. Donc, à l'aveuglette, je vais dans la maison pour lire ça, parce que sinon, on va se faire. Ah, je mets le poisson à cuire. Oui, j'ai fait un pain. C'est pas très fructif. Fructueux plutôt, le pain. Le blé. Bon, bah, je ramène que du charbon et de la cobble. Je laisse ce dont je n'ai plus besoin. Je remets un peu de truc dans le feu. Voilà, le feu au max. Donc, allons lire l'épreuve. Écoute. Je lis ? Ouais, vas-y. Il s'agit d'une épreuve de coopération, vous comprendrez tout de suite en voyant l'épreuve. Oh non, il pleut. Ça va éteindre les torches. Merde. Donc oui, bon, bah tu vois, il n'y a pas vraiment de description proprement parlée. On ramasse les torches. Ouais, tu vois, il vient de teindre celle-là. Le feu est bon, il est protégé. Ça allume. Ouais, je le pose là maintenant. Ok, bon, bah on comprendra l'épreuve au bon moment. Il y a une petite image, mais je ne vois pas en fait
Ça semble être encore une fois un parcours. Ouais, ah barre, oui, quoi. Oui, j'avais vu tout à l'heure. Oh non, il y a toutes nos torches qui sont en train de s'éteindre une par une. Mince, mince, mince. Ah, bah, je les récolte, hein. Faut les récolter. Oh, je... Oh non, il y a un endormi. Oh non, oui, ouais, c'est ce que je me disais, là. Il va falloir... Les vies, de toute façon, il y en a un qui doit dire un parcours avec une carte, et l'autre qui doit faire autre chose. Bah, ça ressemble pas... C'est pas très grand, donc je sais pas si ça passe sur une carte. Ouais, ça passe. Mais ouais, là, toutes les torches sont éteintes, je vais essayer de les ramasser. Quoique non, c'est un peu risqué, à mon avis, j'ai pas envie de mourir. Ouais, Creeper, là, il y a Creeper qui te fonce dessus, derrière toi. On rentre à la maison. Prends pas de risque, Thomas. Prends pas de risque. Ouais, c'est bon. Ouh, tu me fais des frissons. Oh. Non. Bon, on va se foutre à la maison, je pense. Oh. Il y a un squelette qui nous tire dessus. Oh non, le quel âge, Thomas? Comment? Tu as quel âge? 7 ans. Combien? 7. Ça coupe, t'es d'accord avec moi, Vibe? Ouais, ça coupe. Ouais. Redis-le. 7. 7, 17? Sérieusement, ouais, c'est pas... 2 secondes, je dis... Ah ouais, mais je peux pas découvrir... Bah, tu pourras me remettre dedans. De quoi? Je pourrais me remettre dans le channel, je vas-y, là, ça marche bien. Non, mais t'as... Moi, j'ai entendu. Ah, c'est bon, c'est ça. 7. 17. Non, mais c'est lui qui... C'est parce que quand il parle... Vu qu'il fait 17, il le dit vite et pas très trop fort. Vite. Ok. Mais okay. Donc il détecte pas bien le. Et okay, Vibe Nico, okay. Tu vas mourir, c'est pas grave. Tu vas juste être éliminé. Mais bah moi, j'ai récupéré du shield. Et j'ai toutes mes trucs. Donc on a deux shields maintenant. Donc n'oublie pas de ramener totem. Oh, toutes nos torches. On a ah oui, c'est qui a le totem d'ailleurs? Et on n'a pas des torches rouges nous normalement? Ils sont où? C'est qui a le totem dans votre équipe? Bah, c'est de son 7 Zelda. Ah merde. Je te donne des vagues. Non, moi j'ai pas de totem, j'ai tout laissé. Bah, j'avais laissé dans. Il est là, il est dans le coffre principal. Donc, faudra le prendre pour l'épreuve et puis vider votre inventaire. D'accord. Merci. Non, on va gagner à cette épreuve là. Faut pas perdre, sinon on est mort. Et qui est en train de taper un Enderman? Non, c'est parce que c'est la pluie. Ah oui, d'accord. Oh non, ça spawn juste à côté. Ah, cette torche là depuis tout à l'heure. On a peut-être pas le faire, mais on a la nourriture, c'est déjà ça. Voilà, j'ai tout mon temps. Donc oui, bah les gens voient, hein, je suis un pro de la pêche, on peut m'appeler Zelvec le pêcheur maintenant. Quand on est un zombie, ça me stresse. Je vais nous faire peut-être un petit abri. Ouais, pour cacher j'ai les torches. J'ai l'idée, je vais faire des jack-o'-lanternes. Ah ouais, bonne idée. Mais quoi? Jaco. Ça éclaire et puis la pluie dans les gens. Ça c'est sympa. Là. Au moins autour de notre base. Quoi. Bon là je suis en train de... Oh non, le feu il s'est éteint. Ah non, non. C'est un bug. Je vois pas les flammes dessus en fait. Ah non, mais moi j'ai jamais eu de flammes. Hein. Hmm non, moi je les vois. Moi j'en ai jamais eu des flammes. Là, j'ai l'impression qu'il est éteint. Ouais, ça fait un petit peu plus classe. Les gens aiment les trucs classe. La terre, c'est pas classe là, par contre, mais bon. Oh, c'est en attendant. Je vais faire des petits escaliers. Et nous, on va avoir un degré de finition beaucoup plus important que... Vous êtes là qui fait la déco en attendant. Bah oui, écoutez.